par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Tout peut se faire par sa puissance. Tout peut se faire par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Oui, par sa puissance. Oui, par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance, oh Dieu. Par ta puissance, oh Dieu. Par ta puissance, oh Dieu. Par ta puissance, oh Dieu, par ta puissance, oh Dieu, par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance, Yahweh Dieu, par ta puissance, Yahweh Dieu. Par ta puissance, Yahweh, 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 Adama la Gabosa, Yahweh, tout peut se faire par ta puissance, tout peut se faire par ta puissance, oui, tout peut se faire par ta puissance. Par ta puissance, par ta puissance, Yahweh, par ta puissance, par ta puissance, Yahweh, par ta puissance, Anya Babos, les maladies, Anana Babos, tu restaures, tu restaures, tu restaures, Yahweh Dieu, tu restaures. C'est toi qui relèves l'indigent de la boue. Tu redonnes la vie. Tu redonnes la vie. À ceux qui étaient en train de mourir. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Shananananana bossa. En sa puissance. Yahweh Dieu. Yahweh Dieu, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il guérit, par sa puissance, il relève, par sa puissance. Sa puissance. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Seigneur, tu me redonnes la vie. Tu me redonnes la joie. Tu me redonnes la paix. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Tu me redonnes la paix, tu me redonnes la joie, tu me redonnes la foi. Descends parmi nous, Yahweh, et demeure parmi nous, Yahweh. Restaure parmi nous, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus, nous sommes ici pour t'adorer. Yahweh,
Disons ensemble Jésus, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Encore une fois, rappelons Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ce soir, nous sommes encore assemblés ici. Et tu vois combien de fois ta présence nous captive. Assurément, papa, nous t'aimons. Assurément, papa, nous t'aimons. Assurément, papa, nous t'aimons. Regarde comment il est difficile, Seigneur, de se départir de cette présence. Et tu mérites la gloire. Tu mérites d'être célébré, papa. Tu mérites nos acclamations, papa. Acclamons-le, ya ya hé, ya ya hé, ya ya hé. Acclamons-le, ya ya hé, ya ya hé. Célébrons Yahvé, ya ya hé, ya ya hé. Acclamer le Seigneur et prendre place. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que ce moment a fait du bien à quelqu'un? Salue l'Esprit de Dieu si ce moment t'a fait du bien. N'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de Yahvé soit béni. Pour tous ceux qui me voient pour la première fois, je suis révérend Jeanne Monnet. Je réside en Côte d'Ivoire où je suis, amen, pasteur de l'église La Mission Évangélique Le Rocher des Siècles, qui est une église fondée, dirigée par mon époux et moi. Et donc, à l'occasion de mon passage ici pour une prestation de Casarema, j'ai eu le privilège d'être invité par l'apôtre et son épouse, la servante de Dieu. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je me tiens ici pour la seconde fois depuis aujourd'hui. Je suis mariée depuis 20 ans à un seul homme avec qui nous avons 5 merveilleux enfants. Et ce matin, ce soir, amen, gloire à Dieu. Je suis sûre que si vous l'aviez vu, vos acclamations auraient changé. Vous acclamez juste comme ça quand je suis en train de présenter mon époux parce que vous ne l'avez pas vu. Mais en me voyant, vous devez lui donner l'honneur qui lui est dû. Amen.
Et donc c'est avec sa permission et sa bénédiction, amen, que je suis ici aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir, merci pour l'accueil et pour toutes choses. Je parlerai donc pour la deuxième fois dans le même registre de la restauration, mais cette fois-ci je mettrai l'accent sur la restauration financière. Plusieurs d'entre nous sont en train de connaître des situations où ils peuvent dire « j'avais, j'étais, quand j'avais, quand je possédais, à cette époque-là, j'avais ». Plusieurs d'entre nous sont passés par des situations qui ont créé un déséquilibre financier qui fait qu'aujourd'hui, ils en sont à un niveau où les choses ne sont plus ce qu'elles étaient avant, c'est-à-dire hier. Plusieurs d'entre nous sont à même de dire, maintenant même que, en plus, je connais le Seigneur, je n'arrive pas à me relever financièrement, pourtant avant ça allait. Avant ça allait, oui, peut-être parce qu'on avait moins de charges. Avant ça allait, peut-être qu'on avait moins de défis. Mais aujourd'hui, ça va moins. Et il n'y a personne parmi nous, je pourrais le dire, qui n'aspire pas à connaître une restauration financière, c'est-à-dire à ce qu'il y ait une amélioration dans sa situation financière. J'enseigne sur les principes financiers bibliques et Dieu a mis dans mon cœur de parler de ces choses parce que le malaise qu'il y a à ne pas avoir cette aisance financière crée aussi des frustrations. Ce matin, j'ai beaucoup parlé des frustrations. Vous n'avez pas idée que ce que c'est d'avoir une pensée, je dirais un projet, de désirer réaliser des choses, d'avoir un esprit qui est tellement fructif, fructueux, qui est tellement créatif, qui est tellement qui bouge et qui nous laisse donc notre esprit la latitude de penser à tout, de penser être capable de réaliser toutes choses et que les moyens se refusent à accepter ce que l'esprit vous donne. Vous n'avez pas idée ce que c'est que la frustration de désirer des choses dont vous vous sentez capable de faire en vous à l'intérieur. Et lorsqu'il est, il est question maintenant de réaliser ces choses, d'amener ces choses à amène exécution, que vos moyens vous rappellent que non, tu peux rêver, mais tu n'as pas le droit de réaliser tes rêves. C'est pour ça que, amen, restaurer sa situation financière est d'une importance capitale parce que ça vous met en phase avec vos rêves. Vous ne vous sentez plus ridicule d'avoir des grands rêves et des petits moyens. Vous devenez donc en cohésion avec vos rêves dans la mesure où je peux penser une telle chose et je peux l'emmener à réalisation. Pendant que j'étais là, j'ai observé cette chose parce que nous-mêmes, nous sommes aussi en pleine construction d'un grand, très grand édifice, très, très futuriste. Amen. J'ai regardé ça, ce kakemono, et j'ai dit, waouh, quelque chose est en train de se passer dans cette église. Mais vous voyez, au-delà du terrain, du sable et de cet amphithéâtre qu'on voit ici qui atteste de l'image que Dieu a plantée dans l'esprit de l'apôtre, de dire, d'ici quelques années, voici là où nous allons. Voyez, Dieu, il ne vous montre pas ce que ça sera entre le sable et ici. Il vous montre juste ça et il vous fait voir la réalité qui est là. Donc là, c'est le rêve et là, c'est la réalité. Mais entre là, le rêve et la réalité, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles il faut l'argent. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles juste la prière ne suffira pas. Entre ici et là, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles juste le jeûne ne suffira pas. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles juste se rassembler là comme ça dans l'amour du Seigneur, dans la communion fraternelle et dire nous sommes des frères, amen, dans le Seigneur et de la même communauté, ça ne suffira pas. Il faudra pousser au-delà et faire en sorte que ce qui est là, d'accord, puisse se transformer pour devenir ça. Ça c'est l'image finale du rêve que Dieu donne à son serviteur. Et si nous voulons que ça arrive, il faut l'argent. On a embarrassé les enfants de Dieu de sorte que lorsqu'on arrive dans la maison de Dieu et qu'on doit parler des finances, l'homme de Dieu est obligé de tourner 7 fois la langue. Bien entendu, il y a eu des débordements de la part de certains prédicateurs, de la part de certains enseignants, il y a eu des débordements qui ont fait que l'enseignement sur la question des finances est devenu un peu confus. Mais il y a plus de 2000 versets dans la Bible qui parlent des finances. Vous n'aurez jamais ça si vous ne faites que prier. Ça ne descendra pas du ciel. Vous n'aurez jamais ça si vous ne faites que jeûner. Prier et jeûner va créer une atmosphère pour que Dieu entende que vous voulez ça. Prier et jeûner va créer une atmosphère pour que Dieu dispose des circonstances pour que ça vienne à exécution. Mais au-delà de ce que Dieu peut disposer, la matérialisation de ça dépend de vous. Et ça ne dépend pas de vous seulement dans votre présence,
mais dans votre capacité à donner. C'est le donner qui va emmener le rêve à quitter de cette étape pour devenir cette réalisation. Donc, je voudrais parler aujourd'hui du donner, de la libéralité, du rôle que la libéralité joue, du pouvoir de la libéralité. Amen. Amen. Quelqu'un est en phase avec la direction dans laquelle je vais? Amen. Quelqu'un est à l'aise? Amen. Est-ce que j'embarrasse quelqu'un? Non. Honnêtement? Amen. Est-ce que mon enseignement, déjà le début, est en train de mettre quelqu'un mal à l'aise? Vous ne devriez pas. Le monde a cette facilité à nous faire croire que nous commettons une erreur en apportant notre argent à l'église. Et ils nous le disent. Vous apportez votre argent à l'église. Allez donner à des pasteurs. Mais ce que nous devrions avoir le courage de leur dire, mais vous apportez votre argent chez des devins. Deutéronome 7, verset 9. Et Deutéronome 32, verset 4. Ces versets nous disent que des gens sont bénis à une certaine hauteur. Mais à l'heure de donner à Dieu, ils donnent à Dieu en dessous, moins que ce qu'ils devraient donner. Être libéral, c'est être capable de donner à juste mesure. Ne pas juste donner, mais être capable de donner à juste mesure, de donner la mesure suffisante que Dieu attend de nous. Voyez, il y a une comparaison entre la veuve qui va donner 2 sous et, amen, ces groupes de personnes-là qui vont donner, amen, ce que la Bible va appeler de leur superflu. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que cette femme s'est appréciée la mesure que Dieu mérite. La mesure que Dieu mérite. Et ces gens-là, au contraire, ils estiment qu'ils ont suffisamment, mais que Dieu mérite juste ce qu'ils vont donner sans qu'ils le ressentent. Donc, ils donnent le superflu, le surplus. Être libéral, c'est être capable de donner la mesure que Dieu mérite. Vous arrivez, vous êtes dans une assemblée, vous regardez entre ce que vous avez et le problème qui est là. Vous regardez, amen, entre ce que vous avez et le problème qui est là. Vous dites, ce que Dieu mérite, c'est que je donne le maximum qui se rapproche de la résolution de ce problème. Le maximum qui se rapproche de la résolution de ce problème. J'espère seulement dans l'esprit que je suis en train de parler d'un thème qui est conforme, amen, à votre attente. Amen. C'est bon, pasteur? Gloire à Dieu. C'est peut-être parce qu'il est après-midi. Je sens qu'il y a des esprits qui sont un peu assoupis. Pourtant, le thème que je traite est très important. Très, très important. J'enseigne ce thème depuis plusieurs années. Amen. Écoutez, c'est la chose à partir de laquelle votre style et standing de vie changent. La vie chrétienne, il n'y a pas que Alléluia et Amen. Il y a aussi refléter la gloire de Dieu. On ne peut pas prier à un Dieu et manquer de tout. Il nous a dit au psaume 23, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En réalité, quand quelqu'un sert Dieu, quand quelqu'un prie Dieu, quand quelqu'un marche avec Dieu, quand quelqu'un suit Dieu, il n'est pas censé avoir une vie, amen, de manque. Il n'est pas censé avoir une vie, amen, où il n'y a que des besoins. Au contraire, il est censé refléter une vie que Dieu, amen, des personnes que Dieu a comblées. Quand vous êtes en train de vivre une vie où on sent des manques criards quelque part, excusez-moi de vous le dire, mais honnêtement, vous n'êtes pas en train de suivre Dieu. Dieu est celui qui comble nos manques. Il comble nos vides. Et d'année en année, vous voyez Dieu améliorer les conditions de votre vie. Quel que soit le territoire où vous êtes, si vous avez Dieu, vous n'êtes pas censé manquer. C'est de ça qu'il est question. Vous n'êtes pas censé manquer là où Dieu est. Et que vous êtes, vous avez la provision spirituelle et la provision donc à tous égards. Vous commencez à vivre une vie de gloire en gloire, une vie d'abondance. Ça se passe à l'intérieur, vous débordez du flot de Dieu et ça sort. Maintenant vous ne manquerez de rien, votre vie attire. Votre vie attire, n'est-ce pas? Lorsque la veuve de Sarepta était là dans le besoin, Dieu va déplacer son prophète pour dire, viens approvisionner de l'onction qu'il faut, la vie et la maison de cette femme. Donc quand vous commencez à regarder que votre vie, il y a des manques, il y a des sécheresses, il y a des famines, des choses qui mettent mal à l'aise, où vous marchez avec Dieu, vous passez plus votre temps à vous plaindre de lui, Seigneur, je ne comprends pas, je n'ai pas le minimum, j'ai des rêves, je n'ai rien pour les réaliser. Commencez à comprendre que vous devez restaurer votre relation avec Dieu. Restaurez votre relation avec Dieu. Parce que lorsque vous entrez en intimité, en véritable intimité avec lui, tout viendra. Matthieu chapitre 6. Lorsque vous rentrez en véritable intimité avec lui, tout viendra.
Dieu aime honorer le juste. Il aime honorer celui avec qui il est, celui qui le sert. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Là, vous êtes en train de véritablement faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je crois en cette vision. Quelle que soit sa grandeur, Dieu pourvoira. Ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de Dieu qui a donné cette vision. Il pourvoira. Il pourvoira. Parce que là où il est, il prend soin, il s'assure que son nom soit glorifié. Vous êtes devenus maintenant les trois. La salle peut être belle, mais elle est juste trop petite pour vous. On sent que dans l'extension, par l'esprit, il y a encore des gens que Dieu veut emmener. Et tant que vous n'êtes pas, amen, vous n'avez pas cassé les limites, brisé les limites pour permettre à d'autres de venir, ils vont tourner autour. Mais ils n'entreront pas. Ils vont tourner autour, mais ils n'entreront pas. Vous êtes obligés de faire cette extension-là. C'est une obligation de faire cette extension-là. Parce que, écoutez-moi, chaque croissance que Dieu veut opérer obéit à l'élargissement de l'espace. Il n'y a pas de croissance sans élargissement de l'espace. Si les choses doivent évoluer, même vous personnellement, si Dieu doit ajouter un débordement de flot, un débordement d'esprit et d'onction en vous, il faut qu'il y ait de l'espace. Dieu ne rajoutera rien si vous n'avez pas en vous de l'espace pour contenir ce qu'il veut ajouter. Sinon, ça va verser. Vous me donnez un verre d'eau, je mets de l'eau. S'il n'y a plus de place, je serai en train de gaspiller l'eau que je mets dedans. Ça va juste déborder. Il faut faire de la place. Même si l'eau qui est au fond est sale, je verse de l'eau, la saleté remonte, remonte, remonte. À la fin, l'eau dans le verre devient une eau pure. Parce qu'il y a eu du renouvellement. Je suis en train de vous expliquer que votre situation financière doit changer. Dieu ne se permet pas de donner de grands rêves à un homme pour lequel il n'est pas prêt à réaliser avec lui. Personne ne rêve dans la tête d'un autre. Chacun des hommes de vision que la Bible nous a montré, ce sont des gens qui ont rêvé dans leur propre tête. À côté, il y a eu des gens qui n'ont pas cru. Mais c'est dans leur tête qu'ils ont rêvé. Et eux, ils se sont permis de croire. Les rêves que Joseph va avoir, personne n'y croit autour de lui. Pourtant, quelques années plus tard, ça va se réaliser. Quelques années plus tard, ça va se réaliser. Vous avez besoin de moyens. Vous avez besoin de finances. Vous avez besoin de basculer du niveau financier où vous êtes à un autre niveau financier. Vous avez besoin d'être en phase. On ne peut pas être dans une assemblée où on a ce genre de rêves. Si Dieu n'a pas prévu, parce que à votre avis, c'est avec qui que Dieu devrait faire ça? Avec Macron, non. C'est certainement avec chacun d'entre vous. Ne croyons pas que l'argent doit venir de l'extérieur. Il est en nous. C'est avec le peu que nous présentons à Dieu que Dieu nous permet de multiplier. Et lorsque ce que nous présentons à Dieu a été multiplié, les réalisations se mettent en place. Dieu est prêt pour vous. Il est prêt à changer la situation financière de plusieurs parmi vous. Mais il est question de comprendre qu'il y a certaines fonctions qu'il faut mettre en place. Ne peut pas moissonner celui qui n'a pas semé. Ne peut pas recevoir celui qui ne donne pas. Ne peut pas moissonner celui qui n'a pas semé. Celui qui n'a pas semé peut juste observer ceux qui moissonnent. Attendre que dans la compassion, on lui donne nos miettes. N'est-ce pas? Nos miettes. Mais il ne pourra pas moissonner avec nous. Il n'a pas le droit légal de moisson. Pour qu'il puisse moissonner, il faut qu'il ait semé. Les grandes gloires se préparent. Les grandes gloires se préparent. Les grandes moissons se préparent. Ce relâchement-là qu'il y a dans ce geste de faire partir votre main de vous, aller vers le Seigneur pour son œuvre, ce relâchement-là doit devenir un réflexe pour vous. Donner est un acte de grandeur. Donner est un acte de foi. Donner est un acte de maturité spirituelle. Beaucoup croient qu'en donnant, ils se dépouillent. J'aimerais dire que celui qui retient à l'excès ne fait que s'appauvrir, mais celui qui donne se prépare à l'enrichissement. Être dans une assemblée et ne donner que son offrande du dimanche se résume à dire à Dieu, je suis reconnaissant pour ma vie, pour le pain quotidien, pour le souffle de vie et les déplacements et tout ce que j'ai fait, entretiens ça. Il y a certaines choses que vous commencez à donner à Dieu
qui vont au-delà de l'existentiel. Plusieurs d'entre vous, malheureusement, ne sont bénis que de l'existentiel. Quand quelqu'un vit sur un salaire et ne vit que sur un salaire, il est béni de l'existentiel. Vous allez remarquer, votre salaire ne vous suffit même pas pour exister. Votre salaire sert à quoi? Payer les loyers, payer les factures, payer les ordonnances et les choses, payer la nourriture, payer donc juste quelques vêtements. Et des fois même, il y a encore des besoins existentiels que le salaire ne peut pas payer. La libéralité ouvre la porte à la puissance financière. Lorsque vous devenez quelqu'un qui est capable de donner sans mesure sur les principes bibliques, vous devenez quelqu'un à qui Dieu ouvre des canaux surnaturels d'une dimension sans nom. Vous ne savez pas d'où les opportunités viennent, vous ne savez pas d'où les grâces viennent, vous ne savez pas d'où les offres viennent, mais vous vous découvrez en train de recevoir des opportunités de changer votre niveau financier. Le salaire ne suffira jamais, mais Dieu commence à vous bénir à partir de vos talents et à partir des connexions qu'il met sur votre route. Quand Dieu veut bénir un homme, il n'a pas besoin de le prendre et de le mettre à la tête de l'État. Il a juste besoin de mettre une personne qui est connectée à vous, à la bonne personne. Ça suffira pour que de lui, l'huile coule jusqu'à vous. Quand Dieu veut changer l'histoire d'un homme, Jacob et ses fils étaient là encore en train de souffrir de la famine, en train de pleurer. Ils n'avaient même pas eu conscience que celui qu'ils avaient maltraité et jeté était celui qui était le porteur des rayonnements financiers dans la famille. Il était le porteur d'aisance dans la famille. Ils l'ont juste jeté. Mais regardez-moi, pendant qu'ils l'ont jeté, ils étaient dans la famille, jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Je prie cette prière que pendant que vous embrassez la voie de la libéralité, Dieu commence à vous reconnecter aux bonnes personnes. Il y a que quand vous connectez avec les bonnes personnes, vous n'avez pas d'effort à faire. Vous avez juste le privilège d'être leur ami, juste le privilège d'être leur parent, juste le privilège d'avoir fait l'école avec lui, juste le privilège que vos parents se connaissent. Subitement, ils se souviennent de vous. Ça, c'est ça, toucher aux bornes spirituelles. Ça, c'est ce que juste l'offrande du dimanche ne peut pas faire. C'est ce que les prémices activent. C'est ce que les vœux activent. C'est ce que les autels activent. C'est ce que les semences de foi activent. C'est ce que les offrandes sacrificielles activent. Il n'y a pas que l'offrande du dimanche. Il n'y a pas que cette offrande là pour laquelle on vient juste donner 20 euros, 50 euros et même 100 euros des fois en soulevant les épaules et en ayant les sentiments qu'on a trop donné. Il y a des choses, des mystères dans la libéralité qui vous amènent à donner même sans comprendre pourquoi vous donnez ce que vous donnez. Donnez même en revenant, la Bible dit que c'est lui qui sème en pleurant. Vous donnez, vous revenez à la maison, vous demandez au Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris de donner comme ça? Mais les jours qui viennent, les semaines qui viennent, vous commencez à connecter avec des personnes, des gens vous appellent, des opportunités tombent à vos pieds. Des opportunités viennent à vous que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Un jour comme ça, au détour de toutes les libéralités que je peux faire, j'enseigne sur ces choses, je les mets en pratique depuis des années. Et je vois ma vie devenir juste waouh. Je vois ma vie juste devenir waouh. Il n'est pas possible aujourd'hui de compter des femmes de Dieu dans ma nation sans que mon nom soit cité. C'est vraiment une grâce de Dieu, je le dis avec humilité. Il n'est pas possible aujourd'hui de parler des prédicatrices dans la francophonie sans que mon nom soit cité. Je commence à faire donc ce type de libéralité, des choses sacrificielles, des choses qui font juste revenir sur soi et pleurer. Et Dieu me pousse maintenant dans des rencontres. Une de ces rencontres, Dr Matthew Ashimolowo, un homme de dimension et de carrure mondiale. Après des libéralités, le Seigneur me fait connecter avec un homme pour lequel j'ai prié des années, regarder sa chaîne de télévision, suivre ses messages. Je connecte avec lui comme ça. Maintenant, il devient mon mentor. Et chaque année, il revient une, deux fois. Dans quelques semaines, son épouse encore sera. Il foule la nation de Côte d'Ivoire. Dieu m'utilise pour être la personne qui lui ouvre un territoire francophone la première fois. Un territoire en Afrique francophone. Vous voyez? Et un jour comme ça, je suis là, je reçois un coup de fil. Et ce coup de fil me connecte avec « Oh, on a besoin de vous pour prier pour un chef d'État. » Et je deviens comme ça la personne qui se déplace juste tranquillement. Allez dire « Président, levez les mains. Dites, répétez cette parole, lisez ces versets. Président, vous avez besoin. » Simplement vous dire. Je portais en moi des rêves que les petits moyens que j'avais ne pouvaient jamais me permettre de réaliser. Mais par ces connexions, par ces libéralités aussi que Dieu va incliner le cœur de ces personnes à faire maintenant dans mon ministère, il y a des choses illimitées que je deviendrai capable de faire.
Ne restez pas juste là à croire que l'offrande que vous mettez dans le panier, ça c'est un niveau, c'est des niveaux existentiels. Il y a des bornes que si vous voulez activer, vous êtes obligé de vous étirer dans une autre dimension. Il y a des connexions que si vous voulez avoir, vous êtes obligé de s'aimer dans une autre dimension. Il y a des sphères financières dans lesquelles si vous voulez rentrer, vous êtes obligé de moissonner, mais de s'aimer dans une certaine dimension pour moissonner certaines sphères. Et ça intervient dans les rencontres. Pourquoi? Ça intervient dans les rencontres. Pourquoi? Parce que simplement, écoutez-moi très bien, parce que Dieu, tout ce qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un commence par une personne qu'il met sur votre chemin. Amen. Dieu veut vous élever. Il ne vous prendra pas par les collets et vous soulever pour que tout le monde vous voie. Il enverra seulement quelqu'un sur votre chemin avec la mission de faire en sorte que là où je veux que mon fils soit, débrouille-toi, amène-le là. Voici comment ça fonctionne. La libéralité est essentielle. Ne nous asseyons pas dans l'église, écouter les gens qui sont dans le monde, nous influencer à nous dire que vous partagez votre argent au pasteur. Non. Évidemment, l'erreur revient quand on se permet de confier sa destinée spirituelle à n'importe quel farfelu qui se prétend pasteur et qui commence à raconter des inepties et à faire des choses sans compréhension. Vous devez avoir le discernement de savoir qui vous suivez. Quel est le représentant de Dieu à qui vous vous attachez? Ça, c'est votre responsabilité de savoir. Est-ce que l'homme que je suis en train de suivre, et il est lui-même cohérent au sujet de sa propre vie, est-ce qu'il se contient lui-même afin que je vienne m'ajouter moi aussi l'organisation de ma vie à son niveau? Je ne peux pas, je suis désolé. Pour ce que Dieu veut faire avec moi, je ne peux pas m'attacher à tout le monde et à n'importe qui. Alors lorsque vous êtes avec les personnes, les vraies, mandatées par Dieu, donner n'est plus une difficulté. Parce que vous savez que là où vous êtes en train de s'aimer, vous êtes en train de s'aimer dans le principe de Dieu, la bonne terre. Le principe de Dieu n'est pas juste la semence, mais s'aimer dans la bonne terre. Parce que c'est ce qui garantit toutes les conditions adéquates pour que la semence croise et pour que la semence parvienne au stade où elle porte du fruit. Le fait n'est pas juste de s'aimer. La Bible dit que Jésus a été frustré de trouver le figuier et la vigne incapable de lui porter du fruit. C'est une aberration de s'aimer comme ça dans l'église et de ne pas voir les retombées dans sa vie. De donner comme ça, oh, j'ai fait telle semence à un homme de Dieu. Moi, je refuse ça. Quelqu'un qui sème dans ma vie, dans mon ministère, il doit voir les fruits. C'est une aberration de commencer à s'aimer comme ça, n'importe comment. Quelqu'un passe dans la ville, il ressuscite les morts. Moi, je suis vivant, je le poursuis. Pourquoi? On dit, oh, tel prophète, il ressuscite. Quand vous partez à ces croisades, vous, il y a des résurrections. Mais je ne suis pas morte, je vais ressusciter là-bas. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de suivre tout le monde et n'importe qui à la fois. J'ai ce flair, j'ai ce discernement de l'esprit qui m'amène à sentir quand quelqu'un est porteur de grâce, quand quelqu'un est porteur d'onction, comme cette femme qui dit non, donnons à cet homme et donnons-lui la chambre haute, mettons-y un lit, mettons-y ce qu'il faut, parce que je sens dans mon esprit que cet homme porte quelque chose, je ne saurais pas dire quoi. Elle-même en train de donner n'était pas capable de savoir ce qui allait venir comme fruit. Mais la Bible déclare que quelques temps plus tard, quelque chose qui lui manquait, quelque chose d'essentiel, un fils lui est donné. On donne pour entrer dans certaines dimensions de la bénédiction. On ne donne pas pour rester au même niveau. Si je dois donner à Dieu pour être béni d'une bénédiction donnée, il faut que cette bénédiction soit différente et vienne être un témoignage au milieu de tout ce que j'ai. C'est pour ça, mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, j'aimerais vous inviter à élever votre niveau au niveau de la libéralité. J'enseigne ces choses, pas seulement dans l'assemblée que je dirige. Je suis sollicité dans plusieurs autres assemblées pour enseigner sur les principes financiers. Le temps d'une heure ne peut pas suffire. Ça, ce sont des thèmes qui sont traités en séminaire. Amen. Commencez par expliquer pourquoi est-ce qu'il faut être libéral, comment est-ce qu'il faut être libéral et quel type de retombée un type de semence donnée attire. Parce que chaque semence attire des retombées différentes. Vous ne pouvez pas planter la graine d'une figue ou d'un figuier et vous attendre à moissonner une vigne ou l'olivier. Quand vous sèmez une moisson donnée, elle répond à une semence donnée, elle répond à une moisson spécifique que vous allez moissonner. Il y a plusieurs moyens de changer de situation financière, de statut financier. Vous ne pouvez pas vous limiter qu'à donner l'offrande là qu'on donne comme ça, juste avant de danser et après avoir écouté la parole. Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Influencer sa vie au plan financier, c'est sèmer d'une libéralité qui a une incidence sur notre quotidien. Nous ne devenons pas juste la personne qui a les moyens pour vivre,
payer le carburant et après vous n'avez plus rien. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez utilisé votre salaire? C'était le mois dernier. En général, quand vous finissez d'utiliser le salaire, vous n'avez rien au point que parfois vous êtes obligé d'emprunter ou alors d'aller dans votre compte d'épargne, tirer des fonds et avant de tenir jusqu'au prochain salaire. Alors qu'avec Dieu et avec la puissance de la libéralité entre deux salaires, vous commencez à vivre de manne, de choses que Dieu fait tomber comme ça. Ploum, allez, ploum, allez, ploum, allez, ploum, allez, ploum. Lorsque vous ouvrez vos yeux, c'est encore la saison d'un salaire. Alors ce salaire, qu'est-ce que j'en fais? Et puis encore, allez, ploum, entre deux mois, allez, ploum, des provisions qui viennent. Quelqu'un qui vous devait il y a des mois, quelqu'un qui décide de vous aider, quelqu'un qui veut vous ouvrir une porte, quelqu'un qui dit au fait, est-ce que tu pourrais aller en mission à tel endroit? Cette mission va vous ramener des perdièmes et ces perdièmes vont avoir une incidence sur votre quotidien. Quelqu'un qui vous dit, ah madame, j'ai pensé à toi pour, monsieur, j'ai pensé à toi pour. Il me semble que tu savais faire, il me semble que tu as tel talent, il me semble que tu as telle capacité. J'ai l'impression que je t'avais vu faire ça, on dirait que j'étais entendu faire ça. Alors entre deux mois et entre deux salaires, vous commencez à être quelqu'un qui est à l'aise. Vous ne vous limitez pas, vous ne vous coincez pas, vous êtes juste en train de vivre et vous dépassez les bornes et les limites existentielles. Vous commencez à vivre avec la grâce, avec la vie sans mesure, la vie où maintenant on commence à toucher à l'abondance. Vous commencez à vivre une vie où vous appréciez chaque jour que Dieu fait, parce qu'il y a de moins en moins de manques. Ce qui fait qu'on est frustré quand le jour se lève, apôtre, je suis désolé, c'est de savoir qu'aujourd'hui encore, je serai confronté à une facture à laquelle je ne peux pas faire face. Alors on a peur du lendemain. Mais quand on est visité par l'esprit de libéralité, on est quelqu'un qui sait semer. La Bible dit, car tu ne sais pas le jour où cette semence reviendra. Tu sèmes et tu attends comme ça, avec comme une gerbe au coin de la lèvre, au coin des lèvres, et tu es en train d'attendre comme ça, et tout d'un coup, il y a un coup de fil qui vient. Monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Apôtre, s'il vous plaît. Il y a un congrès des chefs d'État. On a écouté un de vos enseignements. On estime que vous pouvez venir. Et là, vous arrivez, vous parlez. Et là, ce n'est plus le genre de semences où on compte. Et non, ça devient les choses où on n'a pas besoin de compter un seul chèque et la vie est changée. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? La libéralité va creuser une espèce de faim. Parce qu'il y a la libéralité, on commence à désirer. Qu'est-ce que je dois donner? Quand est-ce que je dois donner? Et comment est-ce que je dois donner? Le où je dois donner est généralement influencé par la direction divine. Il y a deux principaux, deux principales sphères du où donner. Le premier où donner, selon Deutéronome chapitre 12, le premier où donner est fortement influencé par là où nous persévérons. L'essentiel de que donner, amen, est redirigé dans l'assemblée dans laquelle nous prions. Amen. Donc, il y a deux terres principales où on donne. La première terre est la prioritaire et l'essentiel est la principale. C'est là où nous prospérons, là où nous persévérons, pardon, là où nous venons tous les dimanches. C'est là. Plusieurs canaux de nos dons sont censés, amen, couler, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas, amen, vous donner l'impression que... Mais je voudrais juste dire que ce type d'enseignement, c'est vrai, le Seigneur a mis dans mon cœur d'ouvrir, amen, l'esprit de l'Église, du peuple de Dieu sur ces choses. Mais je peux vous conjurer par les compassions du Seigneur, ne croyez pas que je tire dessus. Personne ne peut donner un tel enseignement en 60 minutes. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a tellement à dire. Il faut d'abord éveiller l'esprit sur la compréhension de certaines choses. Après, il faut diriger l'esprit sur comment donner, à qui donner. Je parle juste de manière compacte. Amen. Juste pour que, amen, ça crée la soif et que, amen, certainement le pasteur ouvre sur des séminaires dans cette direction qui vont changer votre vie. Parce que moi, en tout cas personnellement, ce sont des choses qui ont changé ma vie et la vie de plusieurs personnes qui m'écoutent et qui mettent en application les enseignements que je donne. Ça change forcément votre vie. Vous commencez à voir votre environnement qui change, des personnes qui sont renouvelées. Il y a des vieilles connexions, des gens qui ne font que bavarder, qui n'ont rien à vous apporter, qui sont périmés en fait dans votre répertoire. Ils doivent juste être mis, je ne dirais pas à la poubelle, mais entre griffes de côté, et vous les entretenez, vous voyez que ça ne produit plus, des relations qui vous donnent plus des maux de tête et des mal à l'oreille, des oulala, j'ai entendu des choses, je dis ça m'a choqué, oulala, je ne m'attendais pas à ça. Il faut des choses qui ne vous choquent pas, mais qui vous font, waouh,
Oula, c'est magique, c'est divin, des choses qui vous font du bien. Il faut des gens que Dieu plante dans votre vie. Donc, je prophétise un renouvellement dans votre agenda et dans votre répertoire. Que Dieu renouvelle vos connexions, que désormais les gens que Dieu plante dans votre vie amènent une main ou un pour porter des bonnes nouvelles. Que ce soit des gens qui vous annoncent des bonnes choses, des gens qui vous disent des bonnes choses. Et je reviens donc pour dire, principalement on donne là, Deutéronome 12, là où Dieu nous a plantés. Alléluia, gloire à Dieu. Et secondairement, maintenant, amen, la majeure partie du temps, ça va être des gens que Dieu dirige dans notre esprit. Sème à tel. Tu as vu ce oin, sème dans sa vie. Tu as vu cette femme de Dieu, sème dans sa vie. Sème dans son ministère. Elle est porteuse d'une telle grâce, sème dans son ministère. Comme vous voyez, cette femme qui va semer donc de la chambre haute et haute, alléluia. Rien ne nous dit que, amen, l'homme de Dieu est là à la tête d'une assemblée qu'il dirige là, amen. Mais simplement, c'est une direction de l'esprit. Sème là. Donc, il y a comme ça les porteurs de grâce. Ces gens-là, je les appelle les porteurs de grâce. Des gens qui parcourent les nations, dont Dieu a doté, amen, de certains équipements spirituels et qui sont, amen, partout où ils sont, un canal de bénédiction. Il faut juste déclencher et quelque chose coule d'eux pour aller. Il y a des choses que vous n'aurez pas forcément dans l'assemblée. Amen. Dieu bénit dans l'assemblée de plusieurs bénédictions, mais des fois, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui portent une grâce spécifique. Amen. Il fera en sorte que votre pasteur connecte avec une telle personne, que la personne vienne et que la personne relâche de la grâce spécifique qu'elle porte afin qu'il y ait un changement parce que c'est un besoin dans la maison. Voilà pourquoi, amen, parfois Dieu inspirera, écoute, touche mon tel serviteur, fais-le venir, j'ai déposé sur lui quelque chose dont ton peuple, le peuple, mon peuple que j'étais confié a besoin. En faisant venir là, pendant qu'il sera en train d'exercer, certains seront en train de ressentir le besoin. Je sens de s'aimer, je sens de déposer dans la vie d'une telle personne, je sens que cette femme a un débordement, elle a un flow, elle a une grâce particulière pour enseigner. Il y a un dépôt de Dieu, il y a quelque chose d'exceptionnel. Je sens un mouvement de l'esprit dans la vie de cette femme qui concerne exactement. Vous voyez, parfois vous rencontrez des personnes, vous avez le sentiment qu'ils vivent au présent ce que vous aspirez à vivre dans votre futur. Vous n'avez jamais eu ce sentiment de rencontrer des gens dont le présent ressemble étrangement aux choses que vous rêvez d'avoir? Moi, je vivais ces choses lorsque je rencontrais Pasteur Mathieu. Je voyais dans ce qui était son présent, les choses auxquelles j'aspirais. Je désirais devenir, amen, avoir un certain volume, amen. Je désirais avoir une certaine dimension, atteindre certaines normes. C'était lui son quotidien et moi c'était des aspirations. Je ne suis pas pleinement et totalement arrivée, mais je sens déjà qu'il y a quelque chose, un étirement qui s'est fait. Donc vous voyez, Dieu met donc sur votre chemin de tel type de personnes et juste bam, s'aimer dans leur vie amène à l'existence des choses qui auraient pu ne plus jamais venir ou ne jamais venir. Il y a des choses auxquelles vous rêvez qui ne viendront pas, sauf certains actes. Sauf certains actes, sauf certaines rencontres. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu, mets sur mon chemin la juste personne. Je suis fatigué de rencontrer des gens, tout et n'importe quoi à la fois. Je suis fatigué de rencontrer des gens qui sont juste là pour exister dans ma vie. Je veux des gens, Seigneur, qui prouvent que tu les as envoyés. Des gens avec qui je passe une heure. Vous voyez, parfois vous parlez avec des gens des heures. Amen. Et à la fin, vous ne savez même pas trop ce que vous avez dit. Et lorsque quelqu'un vous appelle, oui, vous avez parlé de moi. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit qui te concernait. Si j'ai la preuve, j'ai écouté, vous avez dit des choses. Donc, vous parlez avec des gens des heures, parfois, vous ne vous rappelez même pas de ce que vous avez dit. Mais il y a que Dieu, parfois, met des gens dans votre trajectoire, sur votre chemin. Et en une heure de connexion, vous avez l'impression qu'ils ont boosté, ils ont bouleversé, ils ont catapulté. Vous les écoutez une heure, vous avez envie de devenir 20 ans en avant, des gens qui savent réveiller le héros et le champion en vous. Et il y a des gens que vous écoutez juste 30 minutes et vous levez, vous dites c'est fini, je me débarrasse du manteau des pleurs, c'est fini, je suis une championne, je suis un champion, il faut juste que je me lève. Il y a des gens que vous connectez et juste un quart d'heure de connexion, vous sentez qu'il y a un déclic. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a envoyés. C'est pourquoi je voudrais insister. Allez au fond de la libéralité. Creuser. Il y a des attentes de Dieu que vous n'avez encore pas satisfaites, qui peuvent justifier le niveau où vous êtes maintenu. Vous voulez passer du niveau où vous êtes à un autre niveau, c'est possible. Pour que ces choses s'effacent, il y a d'autres types de semences que vous devez faire. À partir de ce moment, le ciel s'ouvre, le ciel des opportunités s'ouvre et laisse tomber une pluie de bénédictions dans votre vie. Chaque jour devient un pur délice. Chaque jour, vous commencez à dire, Seigneur, qu'ai-je fait ?
Seigneur, qu'est-ce que c'est que toutes ces grâces? Seigneur, qu'est-ce que c'est que toutes ces ouvertures? Waouh! Chaque semaine et chaque mois, vous commencez à capitaliser, à enregistrer des témoignages. Seigneur, comment est-ce que ça peut m'arriver? Qui, moi? Qu'est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis pour que... Seigneur, regarde où je me trouve. Regarde où je suis. Qu'est-ce que j'ai fait pour être là plutôt que quelqu'un d'autre? Aïe, aïe, aïe. Seigneur, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Certainement les prières. Les prières, yayay, c'est les prières, papa. Les prières, les choses que tu avais annoncées, des prophéties. Vous savez combien de personnes meurent sans voir leurs prophéties réalisées? Il y a des prophéties qui avortent. Ça commence et ça se bloque. Quelqu'un dit, oh, tout ce que Dieu commence, il achève. Ce n'est pas avec tout le monde. Il y a des gens qui ne verront pas la fin. Les choses commencent et ça n'arrive pas à la fin. Il y a des gens qui ne seront pas plus que ça, là, juste là. Alors que nous sommes appelés à nous étirer. Je suis passionné par un homme comme Isaac, qui a commencé dans les pas de son père. Mais voyez-vous, qui a été capable d'étirer là où son père s'est arrêté. Tirer, tirer, Rehoboth, tirer, tirer, ne pas s'arrêter, tirer encore. Jusqu'à ce que ce soit lui, à ce niveau-là. C'est l'onction, ça coule de lui, c'est son débordement. Ne vous arrêtez pas là où vous êtes. Il y a la capacité de vivre mieux que ça. Un débordement financier, tel que vous ne manquiez de rien, tel que l'argent soit là, et attendre juste un projet pour passer à l'étape de réalisation. Je prie cette prière pendant que je termine mes mots. Je prie que votre vie ne soit plus jamais la même. Je prie que Dieu mette à partir de ce... Vous savez, nous sommes au début de l'année. Il faut faire attention aux gens qui passent, aux gens qui viennent. Ce n'est jamais fortuit. Début d'année, faites attention, ne connectez pas avec n'importe qui. Je prie qu'après mon passage, Dieu envoie des personnes qui vont ajouter encore. Que Dieu envoie des messages qui vont ajouter encore. Je prie que Dieu vous envoie en eau profonde. Amen. Il y a un niveau où vous êtes, où vous n'avez plus rien à tirer. Alors il faut avancer en eau profonde. Jésus a dit, avance en eau profonde. Il n'y a plus de poissons ici. Va là-bas, là, devant. Il y a des poissons là-bas. Il dit, bon, on a fait ça toute la nuit, on connaît le périmètre. Il dit, oui. Puis vous êtes resté au niveau où il n'y a plus rien. Va devant. Et lorsqu'ils avancent, boum, explosion. Contre toute attente. Des poissons sans mesure. Du jamais vu au préalable. Du jamais vu auparavant. Vous savez, c'est possible. Chaque année est une promesse de Dieu. Chaque année est une opportunité que des choses inespérées se réalisent. Saisissez 2019 comme l'année des percées financières, comme une année de témoignages, comme une année de flux financiers. Saisissez 2019 comme une autre année et permettez à Dieu de faire avec vous et dans votre vie des choses sans mesure, des choses inattendues. Je vous bénis de la bénédiction des mères dans les nations. Ça fait entre 18 ans et un peu plus que je suis pasteur. Je vous bénis de la bénédiction des mères. Je prie seulement que partout sur votre chemin, que Dieu mette les personnes essentielles, les gens avec lesquels il a des choses à faire dans votre vie. Je prie que Dieu mette les personnes de la prochaine étape dans votre vie. Je prie que cette année ne ressemble à rien aux autres années. Je prie que cette année soit une année chérie. Au nombre des années dans votre vie, vous célébrerez Dieu pour 2019, qui aura été une année de turnaround, une année de retournement, une année de shift dans le règne spirituel et dans le règne physique. Une année pour connaître des percées sans précédent. Une année pour vivre des choses sans précédent. Une année pour connaître des matérialisations, pour dire Dieu a changé ma vie. Il faut que ces mots, ces choses, vous le disiez un jour. Dieu a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Il faut que vous parveniez au stade où vous êtes capable de dire ces choses. Je prie que le niveau de vos semences change. Que vous ne donniez pas juste pour donner. Que vous donniez avec la conscience que chaque chose qu'on donne ramènera à nous le fruit de ce que nous avons donné. C'est pour ça, si on donne et on donne bien, on saura moissonner. Je prie que vos semences parlent pour vous. Que vos semences vous ouvrent des portes. Que vous soyez détachés des parties de l'esprit d'avarice. Il y a des gens à qui Dieu vous amènera, pour qui Dieu vous amènera à donner sans mesure, au-delà de ce que vous avez l'habitude de donner. Pourquoi? À cause des choses qu'il se prépare, à cause des choses qu'il est prêt à faire. Je prie simplement que pour vous, cette année 2018 soit l'année de moisson, année de grands témoignages, une année de récolte, une année fructueuse. Une année où la libéralité prend un autre sens. Que le donner n'est plus la même mesure.
que le donné monte en mesure et que les moissons soient sans mesure. Je vous bénis de la bénédiction des mères. Je vous bénis en tant que prophétesse de l'Éternel. Je vous bénis en tant que femme de Dieu. Je vous bénis de l'onction qui repose sur ma vie. Je vous bénis en tant que femme ayant traversé un parcours. Vous savez, si je devais prendre le temps de vous expliquer comment a été mon parcours jusqu'au niveau où vous pouvez me trouver là, vous aurez juste la bouche ouverte. J'ai traversé des situations qui n'ont pas de nom. Et aujourd'hui, je suis juste là, une femme qui est capable d'apporter par le message que Dieu a mis en elle, la consolation et la restauration à d'autres. Une femme qui est capable de dire à quelqu'un, lève-toi, dépasse ça. J'en ai dépassé des choses, j'en ai traversé des choses qui auraient pu me garder là, clouer là. Mais voici, le Seigneur m'a fait triompher de ces choses. Je suis là pour dire, vous pouvez aussi, vous pouvez aussi. Que comme moi, Dieu mette des personnes qui vont vous donner l'envie de continuer à vivre. Que comme moi, Dieu mette des personnes sur votre chemin au cours de cette année. Des gens qui vont vous donner d'apprécier une vie de gloire, une vie royale. Je prie que la bénédiction ne se détache plus jamais dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit trois fois Amen.